Monsieur le député de Matane-Matapédia, pour le dernier échange de notre Montmédier. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue dans cette commission. Les chambres de commerce réclament, je dirais, à haut cri, davantage d'immigrants, davantage de main-d'œuvre. Nous, on pose une condition importante, et je vous en fais part. Nous exigeons une connaissance du français de la part de tous les immigrants économiques, et nous souhaitons qu'on ajuste nos seuils en fonction de notre capacité d'accueil et d'intégration, et plusieurs autres mesures qu'on a aussi à la hauteur des défis qui sont, quant à nous, incontournables. Donc, sur ce premier élément, êtes-vous d'accord que pour la réussite de chacune de ces aventures au Québec, de vie professionnelle en socialisation, on doit exiger le français avant l'arrivée? Pardon? Excusez-moi. Par un simple fait qu'on se limite dans le type d'immigrant dans lequel on peut aller sélectionner et dans lequel on peut faire affaire. Donc, parfois, il y a des expertises très pointues qui sont nécessaires dans nos milieux de travail, malheureusement. Mm-hmm. Et on favorise, puis on est pour le recours à des exercices de francisation importants. Ça, on pousse ça. Et on en fait la valorisation depuis plusieurs années. D'accord. Et pour, si vous me permettez, pour la capacité d'intégration, on est d'accord avec vous. Mais on est encore en attente de savoir comment on va calculer cette capacité d'intégration-là, donc qui est tant discutée depuis certaines années au Québec. Donc. J'ai une idée là-dessus, moi. J'en fais part. À travers trois mesures. D'abord, l'idée de régionaliser l'immigration, un objectif minimal de 50 % en donnant la priorité aux immigrants qui s'engagent à s'installer en région et s'assurer que les incitatifs aillent demeurer, et bonifier l'aide financière offerte aux candidats à l'immigration qui prennent des cours de français avant leur arrivée au Québec. Nous sommes d'avis qu'une façon de valider l'intégration, c'est qu'elle se fasse en français. Et tant mieux si elle se fait dans le monde du travail. Mais le Québec, c'est pas l'Ontario. C'est pas la même société. Et ça appelle toutes les organisations, y compris la vôtre, à avoir une sensibilité beaucoup plus grande à l'égard de notre destin collectif. On est d'accord sur plusieurs points que vous dites. En fait, au niveau de la meilleure façon de régionaliser, c'est de mettre en lien avec les employeurs en région le plus rapidement possible, dès qu'ils sont déjà à l'étranger. La majorité des besoins de main-d'œuvre sont à l'extérieur de Montréal. Donc, si on réussit à les mettre en lien, naturellement, avec l'emploi, on va réussir à régionaliser. Au niveau de l'aide de francisation avant l'arrivée, évidemment, nous, on veut que l'immigrant soit le plus près possible à intégrer son emploi, à exercer son métier, en français autant que possible, le plus rapidement possible. Ça, on vous encourage à mettre ça en place. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on favorise depuis plusieurs années. Donc, on a cette ouverture que vous réclamez. On a cette ouverture-là au sein des employeurs. Vos membres sont dans toutes les régions du Québec, notamment chez nous. Je peux vous dire une chose. Non seulement on a besoin de main-d'œuvre, nous aussi, mais on est capable de bien intégrer l'immigration, faire en sorte que ça se passe bien, que ça soit une réussite à tous égards. Et on y gagne tous. Et des gens heureux, c'est aussi des travailleurs qui sont fiers, qui sont heureux. Il ne faut pas sous-estimer cet enjeu-là, d'être fier d'être Québécois, d'être fier d'être au Québec, d'apprécier les opportunités que ça nous apporte. Et la moindre des choses, c'est de respecter notre langue nationale, de l'apprendre et de vivre en français.